Ah, Bunny, tu as vu les drôles d'animaux qui sont tout là-bas? Moi, j'en vois qu'un de drôle d'animal, Pablo, et c'est toi. Allez! Pablo! J'arrive! Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a comme un mur invisible. Attention, Pablo! Je crois que tu vas réveiller un humain. J'ai pourtant bien entendu quelque chose et cogné contre la vitrine. Viens, Bunny. C'est l'occasion ou jamais. Mais c'est quoi tous ces trucs, Bunny? J'en sais rien. Oh, regarde là! Tous les animaux! Hop, c'est moi! Fais attention, Pablo! Bonjour! Pourquoi vous parlez pas? Vous êtes fâchés? Hé, vous! J'ai dit bonjour! Mais ce sont que des faux animaux! C'est un peu bizarre ici. Un humain, il y a un humain là-dedans. Vite, Pablo, sauvons-nous. Mais tu t'affoles vraiment pour rien du tout. Comment ça, rien du tout? On dirait un bébé, mais c'est pas un vrai. Les choses ne sont pas toujours ce que l'on croit. Qu'est-ce que c'est? Ah, Bunny, un des faux animaux, en fait, est un vrai. Tu t'affoles vraiment pour rien du tout. Attention! Tu crois qu'il nous a vus? J'ai bien peur que oui. Attraper maintenant. Il faisait moins fier tout à l'heure, hein? Oh, il m'a surpris, quoi, c'est tout. Mais j'ai bien vu qu'il n'était pas dangereux. Ouais, surtout derrière le mur invisible, hein? Mur invisible ou pas, moi, Bunny, je n'ai peur de rien. C'est vrai, Pablo, tu n'as presque peur de rien. D'accord, tu m'as eu.